Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente ce que j'ai reçu dans ma BoxyCharm pour le mois de février. Bon, il y a des plus, il y a des moins, des petites déceptions, mais bon, on va y aller avec ça, puis je te présente ça. Mais avant, j'aimerais beaucoup que tu puisses t'abonner dans la petite boîte en dessous, me donner un like. Et puis, ah oui, j'aimerais ça vous dire que aussitôt que je vais avoir 100 abonnés, je vais pouvoir avoir mon nom de chaîne. Ce serait hyper important, au lieu de m'appeler BKW72, de pouvoir avoir ma chaîne avec mon nom, puis un URL complet avec mes jeux beautés. Je vais avoir un petit tirage aussi que je vais faire parmi les 100 abonnés de ma chaîne. C'est quand même intéressant. Beaucoup de produits de beauté, des beaux petits cadeaux. C'est pour vous remercier de me supporter. Donc, aussitôt que j'ai 100 abonnés sur ma chaîne, ce qui n'est pas trop difficile, j'en ai 25, il m'en manque, j'en ai 15. Je pense qu'à la gang, on peut y arriver. Et puis, ça m'encourage aussi à continuer. C'est pas vraiment pour l'argent, pour les abonnés. C'est vraiment pour avoir mon nom de chaîne. Puis, je peux juste l'avoir si j'ai 100 abonnés sur ma chaîne. Donc, sans plus tarder, je te présente ma BoxyCharm du mois de février. Ciao, bisous! Ok, la boîte de février. Thématique du mois, Galaxy Glow. Ooh, Galaxy Glow. Je te présente ça. Galaxy Glow. Ok, chaque mois, BoxyCharm, on thématique. Ça peut être les yeux, la peau, les cheveux, le fond de teint, le mascara, le blush, le rajout ou autre. Aussi, dans les petites boîtes, tu reçois des petits coupons rabais. Petit coupon rabais. Ce mois-ci, on a reçu un rabais de 20% sur ton prochain achat de la compagnie CoverFX en utilisant le code FXCharm. Cool, FXCharm. Ça fait des petits rabais qui sont intéressants. Pas mauvais. On aime ça. Donc, 5 produits. Mon premier que je vais mettre dans ma boîte pour mon grand tirage quand je vais avoir mes 100 abonnés. Donc, si ça vous intéresse, prenez des notes. On a reçu de la compagnie Ofra une Z Palette. Je t'explique un peu c'est quoi une Z Palette. Une Z Palette, c'est une boîte où ce que tu peux mettre des petites pastilles ou des ombres à paupières dans le fond qui sont magnétiques. Elles se collent. J'ai reçu la Ofra Z Palette. Puis, BoxyCharm nous dit que la Ofra Cosmetic Z Palette se vend pour 20 $ US. C'est quand même pas si mal. Puis, ils se sont dit, ben là, pour pas les décevoir, on va leur donner un petit quelque chose à mettre dedans. Donc, on a reçu un petit blush pour les joues qui coûte environ une douzaine de dollars. Je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air. Je veux pas l'ouvrir parce que, ou je veux pas l'essayer parce que je veux l'offrir dans ma boîte cadeau pour mes 100e abonnés ou parmi mes 100e abonnés. Donc, c'est une petite pastille comme ça. Je vais la sortir délicatement. C'est quand même un bon format. Oh! Désolée pour la personne qui va la gagner. Elle a eu un petit accident. Bref. Tu prends ta pastille. Tu la colles. Et voilà. Ça tient comme ça. Donc, pour les gens qui veulent acheter des produits individuels, ils peuvent se monter une super belle palette. Franchement, c'est un principe qui est très cool. J'aime bien le concept, j'ai toujours aimé. Puis, BoxyCharm sont quand même pas cheap. Ils nous envoient de quoi de pas pire. Mais, vu que j'en ai déjà une, celle-là, je vais l'offrir dans mon panier à tirage. Puis celle-là, je pense que je vais le garder, puis vous en achèterez un vous autres même. Fait que moi, je vais vous montrer c'est quoi la couleur qu'on a eue. Je crois que c'est pas la bonne manière de te montrer ça. Et voilà. Le beau. C'est quasiment. Ouais, je pourrais dire que c'est quasiment en chemin entre être un fard à joues puis un bronzer. Mais bon. Il y a un fond de rose. J'adore la couleur. Il y a un fond de rose. Il y a un fond corail. Puis il y a un fond brun. Fait que c'est quand même une couleur qui va faire beaucoup de personnes. Donc, moi. Ouais. Ce qui est cool. J'ai reçu aussi un petit kit de trois pinceaux.
Les trois pinceaux, qui est un trio de la compagnie Crown, ça a une valeur de 30 $, qui est quand même pas si mal quand tu penses que ta boîte t'a coûté 21 $. Donc, trois pinceaux. Je t'approche ici. Trois pinceaux. Un pinceau pour le fard à joues. Un pinceau pour ton bronzer ou peut-être mettre ton fond de teint. Pinceau pour les yeux. J'aime bien le petit look blanc et rose, ça fait très girly girl. Puis ce que j'aime, c'est le petit encre. Ici, il y a une petite échancrure où ce que tu peux bien tenir ton pinceau. Je trouve ça pas mal cool. J'ai la tête en l'air, puis j'essaie de parler plus haut, ce qui n'est pas très logique. Mais bon, voilà le petit pinceau. Joli. Oh! C'est doux. Attends, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On va se mettre du fard à joues. Étant donné que on est avec un beau petit pain chaud. On va se mettre un petit fard à joues. Je vais vous donner un petit truc. Au lieu de taper vos pinceaux comme ça quand vous mettez de l'encre à paupières, prenez un miroir puis étalez puis faites pénétrer les pigments dans votre brosse. Ça va vous donner. Oh, dear Lord. Dear Lord, dear Lord. C'est dans le trait. Le trait joli. Il a peut-être fallu que j'aille un miroir. Ne peut pas. C'est pas laid. Fait que si vous trouvez que j'ai les joues rouges. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, on est là pour s'amuser, fait que on fait ça. Trois pinceaux. Lui, je ne sais pas à quoi je vais l'utiliser. Mais cool, c'est la compagnie Crown. C'est une super bonne compagnie qui fait des bons pinceaux. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je trouve ça correct, mais je. Bon, bref. Oui, c'est bien. C'est bien. La compagnie ColorFX nous a envoyé un super beau produit. Tant que je te dis c'est quoi. Ça s'appelle Shimmer Veil. C'est une crème couleur qui s'applique. Tu peux en mettre sur tes yeux, sur tes joues. Mais cette couleur-là, je pense qu'on ne pourra pas faire ça. Et puis, ça se vend à 28 $, quand même, pas loin de 30 $. Et puis, ce qui est cool avec ça, nonobstant que les couleurs sont incroyablement belles, je te montre ça. C'est superbement beau. Le punch là-dedans, c'est que quand tu appliques ça, c'est holographique, shimmer. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est qu'un coup que tu as ça sur tes yeux, là, ben, il peut arriver n'importe quoi. Ça sèche. Puis ça part plus. Qu'est-ce que ça, comment c'est cool? Hey. Et voilà, ça va sécher. C'est une belle couleur, une très belle couleur. Et voilà, c'est sec. C'est sec? Ouais. Sur un œil, c'est super beau. Il y a un super effet iridescent que je peux pas te montrer. C'est très plat. Je vais essayer de te faire une petite vidéo dans le haut ici tantôt pour essayer de te montrer que c'est super mignon. Donc, si on en mettait sur le dessus, ici. Ça dit ça. Mais bon.
peu joli. Anyway, produit, 28 $, cover FX, un plein format. Une super couleur. C'est quoi la couleur que j'ai eue? Moi, j'ai eu la couleur Amethyst. Ah, Amethyst avec les verts, ça va être très joli. C'est une espèce de mauve. Mauvius, violacé. Encore une fois, regarde comment c'est beau. C'est vraiment holographique. Écoute, je pense que tu peux pas avoir une plus belle couleur que ça quand tu es dans la galaxie. Oh, franchement, ouais, c'est joli. Ça ne partira pas comme ça. Donc, cool produit. J'ai jamais eu aucun produit de la compagnie CofferFX autre que les primers ou fond de teint. Cool. Comme je dis, c'est un plein format. Ça vient dans une super petite boîte. Donc, une petite boîte. Ouh, on a les petits effets. Un autre produit que j'ai reçu dans ma boîte, c'est un Lip Plumbing Exfoliateur. Donc, dans le fond, ça dit très bien, ça exfolie. Et puis, ça vient sous la forme d'un crayon comme ça, ou d'un tube, si on peut dire. Et puis, c'est comme un peu un sucre qui va s'appliquer sur tes lèvres. C'est quand même un bon format aussi. Je l'ai essayé, ça marche très bien. Ça sent bon, ça goûte bon. C'est un peu comme coconut avec un mélange citronné. Et puis, il y a du beurre de karité dedans. Il y a du sucre. Puis, il y a des petites boules qui font de l'exfoliation. C'est un 4 en 1. Un crayon 4 en 1 qui exfolie, qui plombe, qui hydrate, puis qui adoucit tes lèvres aussi. Donc, vous allez donner des beaux bisous avec ça quand vous allez avoir exfolié vos lèvres. Bon. Et pour finir, ce que j'ai reçu dans ma boîte, c'est un super call de la compagnie. Un super call de la compagnie Vintage. Je sais pas si vous connaissez la compagnie Vintage. Si vous la connaissez pas, il y a personne qui va vous en vouloir pour ça. Non. Si vous ne connaissez pas la compagnie Vintage, eh ben, c'est très américain. Ça, c'est un call. Oh, dear Lord. C'est un call qui s'applique super bien, qui s'étend super bien, puis que je vais avoir bien du fun à essayer. Voici le code en question. Voyez-vous, il n'est pas waterproof. Donc, BoxyCharm nous dit que son crayon, son cool, un smoky eye. OK. Ouais, smoky. Ouais. OK, je vois. Tu peux prendre un petit pinceau à bout un peu caoutchouté, puis tu pourrais te faire un smoky avec ça. Ouais. Je vois ce qu'ils sont avec ça. Ça a de l'allure. 21 $. OK. Donc, le crayon s'appelle Vintage, mais son petit nom, c'est Jessica. Donc, Jessica, elle se reconnaît. Bonjour, Jessica. Pas juste le pinceau, mais toi, mon auditrice favorite, Jessica. Je dis n'importe quoi. Et un crayon très pigmenté que tu peux te faire un smoky eye. Et puis, bon, tu peux le smudger dans le fond, le smudge. L'étendre, comme ça. Ce qui te donne la possibilité de te faire un smoky avec un eyeliner. Après, tu peux passer puis te faire ta ligne plus fixe. Puis de travailler autour là, pour le rendre moins intense, puis de travailler plus dans la définition de ton smoky eye. Donc, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Je vais pas te faire une ligne, mais je vais la regarder encore ce que ça donnait. On voit pas beaucoup parce que ma lumière est vraiment médiocre. Donc, tout ce qu'on voit, c'est les défauts, puis ça vient avec l'âge et c'est la vie. Donc, voilà. Voilà qu'est-ce que j'avais dans ma boîte pour le mois de février 2018. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci beaucoup de liker mes vidéos. Merci beaucoup de faire des commentaires. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mon 100 abonnés. Je veux mon nom de chaîne. Puis, écoutez,
Vraiment, là, je vous organise un super beau cadeau. Ça va être plein d'échantillons, plein de trucs cosmétiques. Je vais vous en parler dans mes prochaines vidéos, là, mais je pense qu'on est capable de se rendre jusqu'à 100. Puis pour 100 personnes, ben, ça fait un mosaï de beau cadeau à gagner. Puis en plus, le shipping est inclus. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup d'être encore là. J'essaie de faire de mon mieux. Je commence, je suis une jeune chaîne. J'ai besoin de votre support. Puis j'espère que vous allez comprendre que des personnes qui parlent français puis qui peuvent vous montrer un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous voulez que je continue, ben, faites-moi le savoir. Abonnez-vous. Ça, c'est pas super. Puis c'est un chiffre qui est super cool pour moi qui va me permettre d'avoir mon nom de chaîne. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, bisous. Bye.